Salut, salut tout le monde. Partagez la vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler un peu. Il y a des choses que je vois sur la toile qui ne sont pas bonnes. On est 10. Il faut qu'on soit au moins une cinquantaine avant que je commence à parler parce que ce que j'ai envie de dire, j'ai vraiment envie que ce soit entendu. S'il vous plaît, donc là, je suis en train d'inviter mes gens. S'il vous plaît, faites de même. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Là, je vous laisse 2 minutes pour pouvoir partager. Allez-les, s'il vous plaît, on est 10 là. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Ceux qui ont partagé, merci. Ceux qui n'ont pas encore partagé, partagez la vidéo. J'ai quelque chose à dire de très important. Allez, je vous laisse 30 secondes encore. Quand vous partagez les vidéos, c'est pas pour que j'ai des vues, hein. Les vues, ça a jamais payé mon, ça a jamais payé mes factures ou quoi ou quoi. C'est simplement pour que ce que je dis puisse être entendu par un maximum de personnes. C'est pour ça, quand je demande de partager, c'est ça, hein. C'est pas. Je finis d'inviter quelques personnes et puis on commence. Allez, on est 12, c'est pas normal. Partagez, 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 partagez. Foutez ça partout. Ok, bon, j'ai pas le temps d'inviter tout le monde. Donc, chers amis, on est 20. J'espère que quand je vais commencer à parler, il y aura plus de monde que ça parce que c'est pas. Chers amis, je fais une vidéo. Aujourd'hui, bon, c'est Dre Bonny, voilà, de la basse, MPA, vous connaissez. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu un post de la part d'un frère, de quelqu'un que je considère comme un frère, qui s'appelle Boris Berthold. D'accord? Et moi, je suis quelqu'un qui aime l'ordre. Je suis quelqu'un qui aime quand les choses sont bien faites. Et je suis quelqu'un de logique. Donc, Boris Berthold a fait un post. D'accord? Vu que je suis quelqu'un qui aime que le linge se lave en famille, je l'ai appelé. Je l'ai appelé. Je n'ai pas réussi à l'avoir. Je lui ai laissé un message en disant, cher frère, ton post là me dérange. Ton post me dérange. Et de quoi on parle quand je dis que le post là dérange? Je vais vous montrer. Et puis, j'invite Boris Berthold, puisque je l'ai invité aussi à cette vidéo, à venir nous expliquer dans quel état d'esprit il a fait son poste
et qu'est-ce qu'il pense que ce poste-là, qu'est-ce qu'il pense que ce poste-là peut rapporter à la résistance, parce que moi, j'ai un problème avec la division, avec ce qui peut nous faire, ce qui peut nous retarder dans notre lutte pour l'alternance, dans notre lutte dans le cadre de la révolution. Donc je vous montre de quoi il s'agit. Et partagez la vidéo, merci. Vous voyez, le poste dit, Albert Zongang accuse Paul-Éric Kinguet, non, affirme, non, alors, Albert Zongang accuse Paul-Éric Kinguet de mensonge. Dans une vidéo, Paul-Éric Kinguet affirme qu'il a participé à une réunion de 38 personnes au cours de laquelle un vote pour la formation d'un gouvernement et la prise des ambassades. Bon. Paul-Éric Kinguet affirme que Albert Zongang était à cette réunion. Contacté, le conseiller en stratégie de Maurice Kamto dément formellement toute participation à une telle réunion. Il souligne d'ailleurs qu'il serait opposé à une telle démarche qui frise le ridicule et ne répond pas aux engagements de Maurice Kamto. Par ailleurs, des responsables du MRC affirment qu'ils ne veulent pas se laisser distraire et préparent activement les marches du 26 janvier. Boris Berthold. Voilà, donc je vous ai montré de quoi il s'agissait. Je viens de vous montrer de quoi il s'agissait. On a 66, continuez à partager. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que moi je suis quelqu'un, j'observe, je parle pas tout de suite, mais après je sors. Au départ, cher frère Boris Berthold, j'espère que tu nous regardes, tu avais fait cet article sur Paul-Éric Kinguet qui disait que Paul-Éric Kinguet avait lâché son excellence professeur Maurice Kamto. Parce que Paul-Éric Kinguet voulait aller aux législatives. Sachant que Paul-Éric Kinguet a aussi son parti. Paul-Éric Kinguet ne fait pas partie du MRC. Il a choisi de rejoindre le professeur Kamto dans le cadre d'une lutte pour l'alternance. Nuance. Bon. Paul-Éric Kinguet, on connaît son tempérament. Paul-Éric Kinguet a répondu au début, voilà. Paul-Éric Kinguet a répondu. Il a dit que non, il ne peut jamais lâcher Maurice Kamto, qu'il est avec lui jusqu'à la gare dans le cadre de cette lutte-là. Mais que quand il y a ce genre de choses-là, c'est mieux de l'appeler pour essayer d'avoir le fin mot de cette histoire-là. Mais il t'en a pas voulu. D'ailleurs, personne ne t'en a voulu. Il a trouvé ça maladroit, certes, mais on a tous reconnu le travail que tu fais au sein de la Révolution, le travail qui est le tien, et c'est un travail qui est d'ailleurs est à saluer. Envoyer les cœurs et surtout partager. Mais voilà que là maintenant, on tombe encore sur un nouveau poste. Un nouveau poste où Albert Zongang et Paul-Éric Kinguet sont mis un peu en opposition. Sont mis un peu en opposition. Et dans ce poste, tu dis quoi? Tu dis que Albert Zongang n'a jamais dit qu'il avait participé à une réunion qui visait à prendre les ambassades. Mais ce genre de poste-là, encore une fois, pourquoi relayer ce genre d'information qui, au final, ne va qu'amener ou n'est susceptible qu'amener que de la division, à défaut de rassembler. Parce que moi, je suis pour la liberté de la presse, je suis pour que la liberté de l'information, puisque je suis un démocrate convaincu. Mais pour moi, ça là, on rentre un peu dans le Congo, ça politique. Est-ce qu'aujourd'hui, la résistance a besoin de Congo, ça politique? Imagine que maintenant, Paul-Éric Kinguet en veuille à Albert Zongang. Parce qu'on n'est pas dans la tête des gens. Si demain, Paul-Éric Kinguet en veut à Albert Zongang à cause de cet article-là, est-ce que cet article-là aura été un plus ou un moins pour la révolution? Ça, c'est ma question. Non, mais ce n'est pas une question que Paul-Éric Kinguet dit ci, Paul-Éric Kinguet dit ça. Nous sommes dans une lutte pour la libération de ce pays. Nous sommes en 2019. Est-ce que nous voulons que ce pays se libère en 2080 ou en 2090? On a une urgence. Cette urgence-là, c'est de créer une révolution, de créer un espèce de tout compact susceptible de faire partir Paul Biya. C'est ça l'urgence-là. Donc ma question est, vu que Boris Berthold est un frère qui œuvre beaucoup pour la révolution, est-ce que ce genre d'article susceptible d'amener des querelles ou susceptible d'amener des inimitiés
de la part de gens qui sont censés être dans le même camp au niveau de la révolution. Est-ce que ce sont des articles qui servent la révolution ou qui sont susceptibles de la desservir? Moi, je dis que ça dessert la révolution. Et c'est pour ça que j'appelle Boris Berthold ici. Et si tu appelles, je te prends en direct pour nous expliquer où est le bien fondé, où est le bien fondé de ce genre d'article-là. Parce que peut-être il y a quelque chose qui m'a échappé, mais je ne pense pas. Donc, Maurice Berthold, c'est un frère que je respecte, oui. Mais est-ce que... Non, ce n'est pas juste un démenti. Est-ce que dans le cadre de la révolution dans laquelle nous sommes, est-ce que nous avons besoin de ce genre d'article? Est-ce que nous avons besoin? Personnellement, à titre personnel, je dis non. Je dis non, pourquoi? Parce qu'on parle d'hommes politiques. Vous savez très bien que les hommes les plus susceptibles sur cette terre, c'est les hommes politiques. C'est les hommes politiques. C'est-à-dire que rien qu'un article comme ça peut créer une inimitié entre deux personnes. On n'a pas besoin de créer une inimitié au moment où on parle. On a au contraire besoin de créer une alchimie, créer un rassemblement, une unité autour du changement, autour de la logique, autour du besoin de changement. Et justement, Boris Berthold est impliqué dans cette dynamique-là. Donc pourquoi toujours relayer des choses qui vont à contre-courant du rassemblement, relayer des choses qui vont à contre-courant justement de l'unité, de l'unification autour de cet idéal de l'alternance? Est-ce qu'aujourd'hui, le professeur Camteau a besoin d'avoir un Paul Éric Kingé d'un côté et puis un Albert Zongang au côté opposé? Non, il a besoin d'avoir Paul Éric Kingé à côté de lui et Abel Zongang à côté de lui. Mais est-ce que ce genre d'article-là n'est pas susceptible de créer une division? Non, je vais vous dire une chose. Je respecte le métier de journaliste. Paul Shuta est un excellent journaliste. Mais regardez, quand Paul Shuta fait ses articles, c'est des articles qui vont toujours dans le même sens. Je ne dis pas que Boris Berthold ne veut pas la fin du régime Biya. Ce que je dis, c'est que même dans le journalisme, nous sommes aujourd'hui dans une situation d'urgence. Nous sommes dans une situation de dictature. Nous sommes dans une situation de vraiment de grave, dans une situation grave au niveau de notre pays qui est le Cameroun. Ce que je dis, c'est que même en étant journaliste, là nous parlons, pour moi, ça relève du Congo, ça, parce que ce n'est même pas quelque chose qui stratégiquement est capable de changer quelque chose dans le cours de la révolution. C'est des positions un peu personnelles ou des prises de parole un peu personnelles. C'est du Congo, ça. Ce n'est pas quelque chose qui est capable de changer la face de la révolution. Mais en revanche, c'est quelque chose qui est capable de créer des inimitiés. C'est quelque chose aussi qui est capable de créer le doute chez ceux qui nous suivent. C'est quelque chose qui est capable de créer le doute chez ceux qui nous suivent. Donc je dis... Pourquoi Boris Berthold relaye ce genre d'informations ou en quoi il pense que ce genre d'informations-là peut faire du bien à la révolution? C'est ma question. C'est ma question. Donc si jamais il m'écoute, moi je suis prêt à le prendre en ligne et qu'il vienne m'expliquer en quoi c'est une bonne chose. En quoi c'est une bonne chose? C'est ça. C'est ça. Moi, Boris Berthold... J'essaie de l'appeler, j'essaie de le joindre en inbox, j'ai pas réussi à l'avoir. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo et j'aimerais qu'il vienne m'expliquer quel est le problème avec Paul-Éric Kingé. Parce que même moi, quand je vois le truc de Boris Berthold, je peux m'interroger. Je me dis que, attends, dans un premier temps, tu dis, oh, Paul-Éric Kingé veut lâcher Camteau. Paul-Éric Kingé est obligé de venir faire un démenti pour expliquer que non, il ne veut pas lâcher Camteau parce que voilà. Il explique tout. Il te dit, il t'en veut pas. Il te dit, il t'en veut pas. Ok. Affaire classée. On avance. Maintenant, j'entends, oh, Abel Zongo n'est pas d'accord avec Paul-Éric Kingé. Il a dit qu'il n'a jamais participé à cette réunion pour prendre les ambassades. C'est un mensonge. C'est pour ça que je pose la question, mais quel est le problème de Boris Berthold avec Paul-Éric Kingé? Paul-Éric Kingé a déjà démenti une première fois quelque chose. Il a dit, tranquille, maintenant. Petit frère, quand tu as quelque chose, tu viens m'appeler. Ok, tout le monde a passé cette affaire-là. Maintenant, on revient maintenant avec un nouveau truc. Donc, quel est le problème avec Paul-Éric Kingé? C'est la question que je pose à Boris Berthold. Quel est ton problème avec Paul-Éric Kingé? Paul-Éric Kingé, c'est un grand frère qui a beaucoup travaillé pour la commune de Penja, qui a démontré à la face de tout le Cameroun que c'était un homme honnête et intègre.
D'abord, c'est son honnêteté, c'est son intégrité qui l'ont conduit en prison. C'est son honnêteté. C'est-à-dire que dans un monde où tout le monde est malhonnête, quand quelqu'un est honnête, on veut à tout prix se débarrasser de la personne. C'est quelqu'un qui a travaillé aussi pendant la campagne du professeur Camteau. C'est quelqu'un qu'il faut beaucoup respecter. Donc pourquoi toujours sortir des articles qui soit essayent de le chatouiller, essayent de le... Voilà. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Surtout que nous sommes tous censés être dans une ligne de défense qui est l'alternance, la révolution. Donc, est-ce que ce genre d'article-là, est-ce que ça va dans ce sens-là? Moi, pour moi, ça ne va pas dans ce sens-là. Maintenant, je respecte le travail des journalistes. Je suis un démocrate convaincu. C'est pour ça qu'en tant que démocrate, j'appelle Boris Berthold qui vient nous expliquer quel est le bien fondé de ce genre d'article. Quel est le bien fondé de ce genre d'article? Ne quittez pas. Ne quittez pas. Gérer les appels. Si vous avez des standards d'appel en prison, évacuez les standards. Donc voilà. Donc voilà. Donc moi j'aimerais bien que, honnêtement, j'aimerais bien que Boris Burton vienne s'expliquer pour nous éclairer sur l'état d'esprit dans lequel il est quand il relaie, pardon, ce genre d'informations. Et encore une fois, j'aimerais dire à certains, il y en a qui me disent, oh, Paul-Éric Inguet est extrémiste, oui, il est comme ci, il est comme ça. Nous ne sommes pas ici pour juger du caractère des uns et des autres. Vous qui parlez sur Paul-Éric Inguet, est-ce que vous avez fait 7 ans dans les geôles camerounaises? Est-ce que vous pouvez tenir pendant 7 ans dans les geôles camerounaises? Paul-Éric Inguet, c'est quelqu'un qui a fait au moins 7 ans en prison et il n'a pas retourné sa veste. Regardez les gens Momo de Dieu là, qui n'ont jamais goûté la prison comme Paul-Éric Inguet, mais juste parce qu'ils avaient peut-être des fins de mois un peu difficiles, ils ont retourné leur veste, ils sont maintenant avec le régime. Donc quand il y a des gens, merci Stella, 8 ans, quand il y a des gens qui ont fait beaucoup de prison, parce que ce n'est pas 1 mois, ce n'est pas 2 mois, ce n'est pas 3 mois, ce n'est pas 4 mois, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 4 ans, ce n'est pas 5 ans, c'est 8 ans. 8 ans de prison. Rien que pour faire 8 ans de prison ici en Europe, c'est beaucoup. Alors imaginez maintenant 8 ans de prison au bled. 8 ans de prison au bled. Donc ce que je vous dis, c'est que respectons les hommes politiques qui sont véritablement opposants au pays. Parce que nous, on est là, on parle, on a toute la latitude de la démocratie pour pouvoir parler. Mais ceux qui sont en train de lutter là-bas au pays, c'est compliqué. Quand tu es homme politique véritablement opposant, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour Paul Chouta, j'ai beaucoup de respect pour Paul Rekinghe, j'ai également du respect pour Boris Berthold, mais je dis que c'est pas pour autant que quand tu respectes quelqu'un mais qui fait quelque chose qui n'est pas bon, c'est pas pour autant que tu vas pas lui dire. Moi, mon artiste préféré, je l'ai toujours dit, c'est Longuet Longuet. J'écoute Longuet Longuet privatisé, trop d'impôts, tu l'impôt. C'est-à-dire que c'est mon artiste préféré jusqu'à... J'ai même fait découvrir aux Blancs la musique de Longuet Longuet ici en France. Mais quand il a fuck up avec l'affaire des taux, je me suis levé, j'ai fait une vidéo où je dis, grand frère, tu as un dème. Nous sommes dans une révolution, tu andem. Je l'ai dit. Ils m'ont même répondu dans une vidéo avec Jenny Gento. Pourtant, Longuerie, c'est mon artiste préféré. Je me lève et je dors avec ses chansons. Mais le pays, c'est le pays. Les considérations amicales ou familiales passent derrière les intérêts supérieurs de la nation. C'est pour ça que quand j'étais à Nanterre, dans le boycott avec la basse de Bendeka, qui est un oncle lointain du côté maternel, j'ai fait fi de toutes mes relations familiales. J'ai même bloqué ma cousine qui s'était rendue, ma cousine que j'aime beaucoup, hein, qui s'était rendue à cette soirée-là, je l'ai bloquée. Parce que j'ai dit, le pays passe avant. Quiconque aime son père, sa mère, son frère, plus que le Cameroun, n'est pas digne du Cameroun. Et dans le Cameroun de demain, c'est cette mentalité-là que nous voulons installer. Les intérêts supérieurs de la nation, avant les intérêts personnels ou familiaux. Moi, demain, si mon fils
vole, c'est moi-même qui veux le conduire en prison. S'il vole l'argent de l'État ou s'il vole le peuple camerounais, c'est moi-même qui veux le conduire en prison. Donc c'est ça. Bonjour, bonjour tout le monde. Salut. Peut-être les gens pensent que nous, on est dans la révolution, en fait, par slogan. C'est-à-dire qu'on est resté comme ça. Et puis, du jour au lendemain, on a décidé, non, on ne veut plus RDPC. On ne veut plus Paul Biya. Ou bien, écoutez bien, écoutez très bien. Si on se retrouve dans la révolution, c'est parce que le Camerounais lambda, c'est-à-dire le Camerounais basique, même pas le Camerounais moyen, je dis le Camerounais basique, manque le minimum pour vivre, le minimum. C'est-à-dire que si en 37 ans de pouvoir, Paul Biya avait été par exemple le Kadhafi du Cameroun, c'est-à-dire quelqu'un qui offre l'éducation, l'eau, l'électricité, les hôpitaux, et parce que par exemple en Libye, les Libyens ne manquaient pas de ces choses-là. Le gouvernement accompagnait tout Libyen qui avait l'intention de réussir et de devenir au point où on payait les études pour aller à l'étranger et ensuite revenir au pays pour développer le pays. Les Libyens, le pétrole de leur pays servait aux populations. Il y avait les maisons sociales, ce qu'on appelle ici HLM, qui étaient à la disponibilité des Libyens, du Libyen moyen qui avait déjà un travail et une famille. On accompagnait le Libyen pour qu'il ait une vie acceptable. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Eau potable, vous n'avez pas. Route, vous n'avez pas. Hôpitaux, vous n'avez pas. Éducation, c'est encore nul. À tous les niveaux, au Cameroun, le système est corrompu. C'est la raison pour laquelle on dit, mais attendez, ça sert donc à quoi d'avoir un gouvernement aussi incapable et laxiste? C'est tout. C'est-à-dire que si Paul Biya avait au moins offert la minorité, c'est-à-dire que des routes, des hôpitaux convenables, des écoles, des lycées, des universités convenables, comment dire, de la justice, parce que la justice, actuellement, la justice est aveugle au Cameroun. Si les Camerounais avaient un minimum de sécurité sociale, on continuerait d'applaudir Paul Biya. Moi-même, en premier, j'aurais même préféré qu'il reste au pouvoir jusqu'à il meure, même son fils vienne prendre la relève, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si on se lance dans la révolution et qu'on dit stop, c'est parce que chaque jour au Cameroun, il y a minimum une personne qui meurt, et d'une suite bête. C'est-à-dire que quelqu'un prend la route, il sort de chez lui, il va à Équipe de Yaoundé Poudouac, là, il n'arrive pas à destination, et on parle de lui au passé. Quelqu'un va au marché, on parle de lui au passé. Où il a été agressé. Quelqu'un peut avoir le palu, et on parle de lui au passé. Pour rien au Cameroun, on peut parler de quelqu'un au passé. C'est l'une des raisons, c'est la raison principale pour laquelle on est entré dans la révolution corps et âme et on a dit stop à cette mascarade. Faudrait bien que les gens comprennent un certain nombre de choses. Pour Hikinge était dans le gouvernement, il était membre. Quand il dit, par exemple, qu'aujourd'hui, s'il se retrouve dans le Mungo et que même à 1 h du matin, il organise une élection, il gagne. Vous pensez qu'il a fait, vous pensez que, je ne sais pas moi, il va aller corrompre les gens. Non, c'est un travail qu'il a abattu là-bas depuis au moins 20 ans, comme il a dit. Vous pensez que les 20 ans, là, il a toujours été, je ne sais pas moi, de l'opposition. Non, c'est quelqu'un qui a travaillé au sein du RDPC, mais qui a fait ses preuves. C'est quelqu'un qui il a bataillé pour les intérêts des populations. Quand le petit planteur de Njombé gagnait 18 000 et qu'aujourd'hui le planteur gagne 60 000, ça, c'est pas quand Paul Hikinga avait son parti politique ou alors quand Paul Hikinga était du côté en coalition avec le MRC. Non, ça, c'est les choses qu'il a travaillées avant de se retrouver en prison, avant que la machine de l'État ne l'écrase. Vous voyez, Paul Hikinga aujourd'hui, mais vous ne connaissez pas son histoire avant qu'il se retrouve en prison. Avant qu'il ne se retrouve en prison, c'est quelqu'un qui a bataillé, qui a insulté les maires. Il est connu en Djombé pour ça. En tout cas, ma mère a enseigné 5 ans, 6 ans en Djombé et elle m'a parlé de lui comme étant une référence. C'est-à-dire que quand on parle des gens qui ont influencé Djombé, qui ont travaillé pour les populations, on parle de Paul Hikinga. Exactement. Il a fait, les habitants ont vu, et il n'était pas encore de l'opposition, je vous rappelle. Et il n'était pas, il était pas déjà en prison, et il était même pas encore président d'un parti politique quelconque.
Donc, ce qu'on essaie de faire comprendre aux Camerounais, c'est quoi? C'est qu'on a besoin des gens qui portent les couilles et qui décident qu'aujourd'hui, nous décidons du changement. Sauf que le RDPC ne nous offre pas ça. C'est ça que vous ne comprenez pas. Le RDPC, c'est un régime de menteurs, de manipulateurs, d'escrocs et de voleurs. Tout le monde qui se retrouve là-bas y est pour sa gueule, pour ses intérêts. Au point où ils se disputent, ils se discutent, ils bagarrent même, c'est-à-dire à Mondovision pour les titres. Parce qu'ils savent que quand tu es du RDP, ça y est, tu es dans le gouvernement et ça y est, tu as des relations, etc. Non, comprenez bien que quelqu'un pouvait bien être du RDPC, mais n'avait pas la mentalité que nous observons aujourd'hui. Et on a l'exemple de Paul Hittinger. Donc voilà quelqu'un qui a fait ses armes, qui a fait ses preuves, et c'est ça aujourd'hui qui parle pour lui. Ce n'est pas parce qu'il est dans la coalition que nous connaissons, en tout cas pour moi, je ne le connais pas à partir de la coalition. Quand Paul Hickinger suivait mes posts, je ne faisais même pas encore les directs sur Facebook. C'est l'une des rares personnes qui m'a invité à Yaoundé. Et qui a, je dis, je ne le connaissais pas. Je ne savais même pas qui il était. Avant d'aller au rendez-vous, moi, je me suis renseignée. J'ai dit à ma mère, tiens, il y a un homme qui dit, il est homme politique. Et Nani m'invite. Je lui donne le nom. Ma mère dit, quoi? Paul Hickinger était vide. Ma mère était scandalisée. Et moi, comme une naïve, je dis, mais oui, c'est qui? C'est ma mère qui me brosse l'histoire de Paul Hickinger. Je dis bien ma mère. Et quand je me retrouve au rendez-vous, je me rends compte que c'est un homme mais qui réfléchit. Et en plus, sortant de prison, il a compris un fait. C'est-à-dire que déjà qu'il avait des idées bien arrêtées pour le Cameroun, mais là encore, son tour en prison, en fait, n'a fait que confirmer qu'effectivement, le Cameroun est actuellement dans une boue pas possible. Et il est en train de tout faire pour essayer de travailler pour son peuple. Voilà quelqu'un qui est véritablement patriote. C'est-à-dire qu'il aurait pu se retrouver. Je vous rappelle que de rien à sa sortie de prison, on a dit il a été déclaré innocent et il a une indemnité, je sais pas moi, en termes de milliards, je pense que c'est 28 milliards ou 35 milliards. Il aurait pu décider de prendre cet argent et foutre le camp et dire bon, l'État m'a menacé, je suis dédommagé, je fous le camp, je m'en vais ailleurs, je veux plus en entendre parler. Mais il a décidé d'en faire son combat pour qu'aucun autre Camerounais ne subit ce qu'il a subi. Voilà ce qu'on attend des gens, en fait. Des gens qui prônent pas, qui prêchent par l'exemple, c'est ça, qui prêchent par l'exemple. Or, au Cameroun, on a tendance à vouloir des gens médiocres qui vous parlent sans être sûr d'eux, qui sont douteux, c'est-à-dire non seulement ils sont douteux, mais qui doutent d'eux. Vous préférez qu'on vous parle en termes de possibilités, en termes de probabilités, au lieu de travailler avec des assurances. C'est pour ça que vous allez toujours fonctionner à tâtons, de manière aveugle, parce que vous ne savez pas où vous partez. Alors, vous avez quelqu'un en face de vous qui est droit dans ses pattes et qui vous dit, si moi je fonctionne comme ça, je vais arriver à tel endroit. Là, les Camerounais ont peur de ce genre de personnes. Pourtant, c'est dommage. Voilà les gens justement qui peuvent vous mener quelque part et vous savez déjà où vous voulez partir. Voilà quelqu'un qui a tracé la route et qui vous dit, voilà les objectifs et si on arrive, voilà le résultat. C'est ce qu'on attend des gens. Mais vous préférez les gens qui travaillent à tâtons, les gens qui vous promettent la canne et au final, qui vous jurent que non, vous aurez la canne, mais les stades ne sont pas faits. Qui vous jurent que vous aurez un meilleur gouvernement, mais le gouvernement tourne entre voleurs, entre mafieux. C'est ça que vous préférez. C'est bien dommage. Quand je vois les Camerounais dire que ouais, il est imbu de sa personne, il n'est pas imbu de sa personne, je suis désolée. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé du jour au lendemain et il a dit je suis. Non. Aujourd'hui, s'il peut se permettre de parler, c'est bien qu'il a quand même un minimum de 20 ans d'actif dans son CV. Arrêtez un peu les conneries, je suis désolée. Si on parle de CV, c'est bien que le CV reflète ou alors, montre l'expérience que quelqu'un a eu à accomplir. Et lui, il a un CV politique, avant même d'être un CV d'homme d'affaires, il a un CV politique qui parle pour lui. Il a des faits d'armes qui parlent pour lui. Et quand il dit effectivement que s'il était dans cette élection, effectivement, je suis d'accord avec lui, le Cameroun aurait eu une autre tournure de ce qu'on est en train de voir là. Je suis désolée, il a raison. Il a raison. Moi, j'ai suivi la révolution. Je suis Capo. Mais je te dis que si Paul Hickinger se présente, je serai dans l'équipe de campagne. Moi, c'est clair. Hein. Moi, après mon rendez-vous avec ce monsieur,
Quand je suis rentrée, je vous assure, j'ai fait un post sur mon mur et j'ai dit, j'ai rencontré le futur président du Cameroun. Il avait un programme qu'il n'a pas... Il a raconté tout ce qu'il pouvait me raconter. Moi, j'ai retenu 120 points essentiels. Quelqu'un, parce qu'aujourd'hui les gens nous critiquent, il a quel programme politique, comme si les Camerounais lisaient les programmes politiques. Vous ne lisez aucun programme, ne vous manquez pas. Vous êtes en accord avec les hommes politiques, soit par des affinités, parce qu'avant les élections, j'avais ramassé quelqu'un comme ça sur mon mur, et puis pour finir, il me dit, oui, je vais choisir, je choisis. Et au final, on se rend compte qu'il choisit, je choisis uniquement parce qu'il est anglophone. Les gens choisissaient les hommes politiques en fonction de leurs affinités, en fonction de leur virage. Alors que même moi, au départ, j'avais dit, mais je ne peux pas supporter le professeur Kamto si je ne sais pas de quoi son programme parle. Effectivement, je faisais même partie des gens qui disaient que non, vous ne pouvez pas supporter uniquement parce qu'il est Bamileke. Pourtant, je suis Bamileke, mais j'ai dit, vous ne pouvez pas supporter cet homme uniquement parce qu'il est Bamileke. Si ce n'est que ça, même moi, je dis non à ça. Je fais partie des personnes qui ont dit que si c'est pour supporter ce monsieur-là parce qu'il est Bamileke, même moi, je serais pour, contre lui. Il a fallu que j'écoute son programme, j'écoute ce qu'il avait à dire sur le programme des femmes, j'écoute son développement, et c'est ce qu'on appelle être convaincu par les arguments. Et cessez d'être convaincu par, je ne sais pas moi, le mirage, l'apostolat qu'on vous présente, et puis on vous dit, ça y est, le ciel est bleu et la terre est rose, ainsi de suite. Non! Le professeur Kamto a très bien expliqué que pour sortir actuellement le gouvernement de sa crise, on sait très bien que le gouvernement est surendetté, mais dans un premier temps, il faut baisser le train de vie de l'État. Il a bien expliqué que d'où vient-il qu'on offre une voiture de 80 millions à un ministre? Il n'en a pas besoin. Il a dit que lui-même, ça fait 5 ans qu'il conduit sa voiture et il n'a pas de problème avec sa voiture. D'où vient-il qu'on offre des voitures de 80 millions à des ministres? Il est clair que vu le nombre de ministres qu'on a au Cameroun, si on diminue déjà une bonne partie de ces personnes-là, parce qu'il y a des ministres qui occupent 5 postes alors qu'il y a 4 autres personnes qui chôment et ce n'est pas normal. Si on diminue déjà ces personnes-là, on diminue leur train de vie, je peux vous rassurer, ça c'est une vérité, mais vraiment établie, quoi. Je peux vous rassurer qu'une partie de la dette au Cameroun sera rehaussée. Ça c'est sûr. Parce que ces gars vivent comme des pachas, comme des rois. On dirait même pas que c'est des ministres d'un pays très endettés. C'est le comble, quoi. J'ai fait un stage à la Gaîté. Avant de quitter du Cameroun, j'ai fait un stage à la Gaîté. J'enseignais dans la classe où il y avait le neveu de Paul Biya, la fille de Issa Tchiroma Bakary, et je vous passe de tous les enfants des gouverneurs et autres là. C'est des enfants qui ont des gens, quelqu'un peut avoir 500 000 en main comme ça, il est en train de compter sous la table de banque, et qu'il dit carrément que c'est son argent de poche, alors que le Camerounais lambda vie avait un minimum de 1000 francs par jour au Cameroun. Mais voilà un enfant en terminale, il ne sait même pas ce qu'il va foutre avec, quoi. Il s'organise des soirées shopping, soirées au black and white et pizza Roma, et je vous passe les trucs. Vous pensez qu'ils ont pris cet argent où? Des enfants de terminale qui ne travaillent pas. Vous pensez qu'ils ont pris ça où? Mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Donc quand le professeur Kamto lui-même dit qu'effectivement, si on baisse le train de vie des gens qui travaillent dans le gouvernement, et il y a une chose est sûre, c'est qu'on va rembourser une partie de la dette du Cameroun, il ne ment pas. Il ne ment pas, c'est vrai, il ne ment pas. Maintenant, aujourd'hui, vous vous offusquez de ce que quelqu'un vous dise la vérité. Pourquoi les Sardinois ont peur du professeur Kamto? Parce que s'il se retrouve aujourd'hui au gouvernement, ce sera l'ordre du mérite. C'est-à-dire, tu travailles, tu as. Tu ne travailles pas, tu n'as pas. Et ils ont peur de ça parce que c'est des feignants. C'est des gens qui ne travaillent pas, c'est des gens qui sont là parce qu'il faut être là. Ils ne sont même pas ceux qui ont les diplômes requis pour être à leur poste. Ils sont là uniquement pour sécuriser le centre. Et le centre, c'est qui? C'est tout ce qui entoure Biya. C'est ça le problème du Camerounais. Ils sont en train de protéger les intérêts au détriment de 23 millions de personnes, de 25 millions de personnes. Voilà le problème. Donc, vous avez en face de vous un professeur Maurice Kamto décidé à baisser le train de vie de ces chiens qui passent leur temps à nous dévorer, a carrément cru. Et ensuite, vous avez un Paul Yikinge qui dit qu'on ne doit plus tergiverser avec ce genre de personnes. On doit sévèrement punir les gens qui volent l'argent du contribuable public. Il faudrait que les gens du gouvernement aient peur de la chose publique. C'est ce que Paul Yikinge, en tout cas, m'avait dit de l'échange que j'avais eu avec lui. Il avait dit, les gens qui travaillent dans le gouvernement doivent avoir peur de toucher la chose publique. Mais les gens qui travaillent dans le gouvernement n'ont aucun respect de la chose publique. En volant, on s'en fout, parce que de toutes les façons, on ne va rien faire. Regardez la canne.
Regardez la canne, regardez tout ce qu'on vous a pris en termes de camions de sable, de ciment, de main d'œuvre soi-disant, parce qu'il y a des travailleurs qui se sont plaints récemment et ils se plaignent qu'ils n'ont même pas été payés. Mais si les fils, c'est marqué qu'ils ont été payés. Regardez tous ces détournements d'argent-là. Normalement, dans un gouvernement normal, à la fin comme ça, on devait chercher les coupables et on devait sévèrement punir ce type d'individus. Mais carrément, il y a même d'autres qui ont été promus ministres. Il y a même d'autres que la roue a tourné. Ils sont quittés de bah, ministre de la communication à ministre de l'emploi, ministre de l'habitat à ministre de ceci. Donc, carrément, ils se sont retournés encore entre eux pour faire genre, pour qu'on les oublie un peu. Les postes ont continué de tourner table ronde entre eux. Ministre, 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 ainsi de suite. Non, non. Donc, arrêtez de dire que Paul Ekin est imbu de sa personne ou il est orgueilleux, il est machin. Non, on a besoin d'un politique objectif et droit dans la botte. Voilà des gens dont on a besoin. 36 ans de gouvernance, de corruption et de vol, on a vraiment besoin de drastiques comme ça. On a besoin des gens drastiques comme ça pour gérer avec ce genre de problème. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi je me retrouve dans une situation où il faut faire sortir une petite fille de prison de 17 ans. On me demande de payer une greffière, payer une présidente de quoi là, payer un procureur, en dehors même de payer la caution. C'est-à-dire qu'au Cameroun, non seulement quelqu'un à la fin du mois a son salaire, mais il faut encore qu'on le paye pour faire ce pourquoi il est payé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est l'une des raisons pour lesquelles on se retrouve dans cette révolution et on veut dire stop. Il faut que la justice soit équitable pour tout le monde. Il faut que la justice s'applique à tout le monde. Tous les voleurs là, les grands bandits là, les Atanganji et consorts, les Issa Tiroma Bakay, tous ces directeurs là méritent la prison. D'où vient-il que dans un gouvernement dit sérieux, dans un pays dit démocratique, il faudrait que le ministre ait d'abord fait un séjour en Kondengui avant d'être ministre. Ce n'est pas normal. La plupart de ces ministres là ont fait d'abord un tour en Kondengui. Dans leur CVC, ils ont d'abord fait un séjour en Kondengui. Ce n'est pas normal. Atanganji, ministre Karateka, tous ces agresseurs-là, c'est des gens qui ont d'abord fait la prison. Alors que dans un pays normal, quelqu'un qui a fait la prison ne peut pas se retrouver dans le gouvernement. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? On ne regarde même pas le casier judiciaire. Et c'est les gens qui ont mérité d'être en prison et qui ont été condamnés. Ce n'est même pas des gens qui ont été innocents et puis on les a sortis de prison. Non, c'est les gens qui ont mérité de se retrouver en prison. En gros, au Cameroun, on fait grâce aux voleurs et on enferme les justes. Ce n'est pas normal. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui embarqués dans cette révolution. On ne se retrouve pas là parce qu'on veut ou alors parce qu'on n'a rien à faire. On a des familles, vous pensez que quoi? Mais non, si on se retrouve là, c'est parce qu'on a mal. Et qu'on sait très bien que si les choses continuent comme ça, la jeunesse va continuer en décadence, en décrépitude. Et une jeunesse affamée, c'est une jeunesse qui vaut, c'est une jeunesse qui braque, qui commet des forfaits. Et quand c'est comme ça, on ne brille pas à l'étranger. Je suis désolée, on ne peut pas briller à l'étranger. On est reconnu comme étant des grandes prostituées ou des grands bandits ou des grands escrocs à l'étranger. Qu'on arrête un peu de vous mentir en disant que oh, Cameroun, pays de paix, Afrique en miniature, centre de l'Afrique. C'est des conneries tout ça. Vous arrivez à l'étranger, si vous dites que vous êtes une fille et que vous êtes camerounaise, on dit oh, camerouineuse. C'est comme ça qu'on vous appelle. Les Camerounais brillent très peu par leur et de par leurs intelligences ici. Je vous le dis tout de suite. Donc on a besoin des gens qui font véritablement preuve de droiture dans leur bloc et qui disent à un moment donné stop à un gouvernement comme ce qu'on a actuellement. C'est de ça qu'on a besoin. Arrêtez un peu de vouloir fonctionner avec les gens qui voient à tâtons et qui vous promettent comme des prophètes. Parce que oui, les Camerounais, finalement, je me rends compte que l'église, le Cameroun, c'est une grande église. Et vous avez tout plein de petits prophètes qui vous disent que non, ça va aller. Dans tel nombre d'années, tu seras ci. Dans tel nombre d'années, tu seras ça. Ainsi de suite. On vous promet des choses en disant que ça va changer, ça va changer. Et 37 ans plus tard, ça ne change pas. Et on est encore parti pour 7 autres années si on ne fout rien. C'est ça le problème. On a besoin des gens qui vous disent que non, à un moment donné, stop, on ne veut plus le ça va aller, on veut que ça va. On ne veut plus conjuguer les verbes au futur. On veut commencer à conjuguer les verbes maintenant, au présent et à l'impératif. La personne qui touche le bien public, la chose publique, se retrouve en tôle. Point. Et il rembourse à lui et sa famille. Là, les gens vont commencer à se calmer quand ils vont voir les choses publiques. C'est ça que Paul Ekin au Camerounais. Et vous ferez mieux d'écouter
au lieu de commencer à dire, oh, il est imbu de sa personne, il est monté, il est descendu. Voilà 20 ans qu'il a travaillé pour l'État camerounais, qu'il a travaillé pour les populations. Et aujourd'hui, le résultat, c'est que s'il se lève, il va dans le Mungo, même en 5 minutes, il monte une élection, il gagne. Voilà ce qu'on attend des Camerounais. C'est-à-dire que les gens qui brillent par leur fait d'âme, les gens qui ont convaincu la population par des faits positifs, c'est ça qu'on attend d'eux. Et non des gens qui sont partis dans leurs différents villages avec les ignames, les pagnes et les pains sardines. Voilà comment on est recruté. Au point où quand quelqu'un est nommé ministre ou nommé je ne sais trop quoi, gouverneur ou ce que vous voulez, les gens commencent à danser parce qu'ils savent qu'ils auront les ignames, les pains sardines et les pagnes, etc. Il faut arrêter. Il faut arrêter. À un moment donné, accepter qu'on vous plaque la vérité en face. Vous allez continuer, vous allez accepter jusqu'à quand qu'on continue de vous mentir et qu'on vous dise que non, ça va aller, pourtant les faits sont là, ça ne va pas. On vous vole, on vous braque chaque jour, vous mourrez chaque jour dans les hôpitaux, vous mourrez dans les routes, vous avez les CV, vous partez à l'université, vous sortez, vous avez les diplômes, vous n'êtes pas employé. Combien de licenciés ou de doctorants sont colboxeurs ou benzikineurs au Cameroun? À un moment donné, il faut arrêter. Si vous partez à l'école pour être colboxeur, ne partez plus à l'école. Si vous partez à l'école, je ne sais pas moi, pour être benzikineur, achetez une fois votre moto. Vous gaspillez dans l'argent, dans les universités, dans les lycées, pourquoi? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. À un moment donné, si tu pars à l'école pour être coiffeuse, arrête ton école et va directement vite au salon de coiffure. Au moins, tu auras de l'argent. Ça ne sert à rien. On appelle ça perte de temps, perte d'argent, perte d'énergie. Non. Si tu sais déjà ce que tu vas faire de ta vie dans un pays pareil, que tu vas finir ta vie, c'est pas moi, en vendant le héros au bord de la route, ou les beignets haricots, ou le riz sur sa racine. Mon ami, prends ton argent, tu vas directement ouvrir ton tourne-dos. Ne pas jeter ça dans les lycées. Dans ce cas, les lycées ne servent à rien. On n'a qu'à les fermer tout simplement. Mais si vous savez que l'école est importante, et qu'à un moment donné, quand tu finis et que tu as besoin de tes diplômes, il faut que tu sortes de là et que tu aies un travail qui te mérite. Quand même, c'est ça qu'on appelle un pays démocratique. C'est ça qu'on appelle un pays de droit. On ne va quand même pas continuer de vous raconter des salades chaque jour et vous allez continuer d'accepter les choses parce que vous, je ne sais pas moi, on vous dit ça va aller, vous n'êtes pas fatigué. À vos grands-parents, on a dit que ça allait aller. À vos parents, on a dit que ça allait aller. Et à vous aussi, on dit que ça va aller. Et si vous ne faites rien à vos enfants, on va continuer de dire que ça va aller. Non! À un moment donné, décidez quand ça doit aller. Arrêtez de conjuguer les verbes au futur. C'est où c'est maintenant, où ce n'est pas maintenant. Décidez-vous. C'est ça que je demande aux Camerounais. Décidez-vous. Arrêtez de critiquer les gens qui sont droits dans leur bosse, qui ont une vision des choses. Au lieu de les accompagner, oh, tu es trop sûr de toi. Oh, tu es trop orgueilleux. Oh, tu te prends la tête. Mon ami, c'est 20 ans de politique, 8 ans de prison, perte d'un enfant, perte d'une famille, perte d'une femme, perte d'un boulot. C'est ça, à ça que ça conduit un homme responsable. C'est-à-dire que quand il finit comme ça, lui-même, il se retrouve au soir de sa vie et il dit, si je ne fais rien, si je ne fais rien, d'autres Camerounais vont continuer de subir comme moi. Et c'est pour ça qu'il a dit stop, que je ne veux plus que les Camerounais subissent ce que moi j'ai subi. Parce que 8 ans de sa vie, ce n'est peut-être pas 30 ans, mais au moins ça lui a coûté. À un homme, ça lui a trop coûté, il a trop payé cher. Comme les anglophones sont en train de payer aujourd'hui. On ne peut pas, il faut arrêter de demander aux gens le prix que vous-même vous ne pouvez pas payer. Il a trop payé cher. Les anglophones ont trop payé. Pourquoi c'est certaines personnes qui doivent payer cher et vous ne comprenez pas le sens du sacrifice? Il aurait pu bien décider que, comme l'ONU, je ne sais pas trop, a décidé qu'on lui donne ses 35 milliards, il aurait pu tailler la route, quitter même le Cameroun, avoir la haine du Cameroun et aller s'installer dans un autre pays. Il a de quoi faire. Je vous rassure que ce monsieur a de quoi faire. Il a de quoi faire. Ce n'est pas un souffreteux. Il a largement de quoi faire. Mais quand il décide de rentrer dans le combat et de dire stop, je ne veux pas qu'un Camerounais subisse ce que j'ai subi, vous comprenez que c'est un patriote. Ce n'est pas quelqu'un qui a faim. Ce n'est pas quelqu'un qui manque ce qu'il va faire. C'est qu'il veut que les choses ne se répètent plus comme ça. Et c'est ce que nous aussi, on veut. Nous sommes venus à l'étranger, on a constaté un système qui marchait. Moi, j'aurais préféré que ce système-là soit au Cameroun. Il y a plein de Camerounais qui sont ici. Ils veulent rentrer. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le Cameroun, l'ambiance, le climat, tout est bien. Mais malheureusement, le système ne nous permet pas de nous épanouir, d'évoluer comme on veut. Il n'y a pas le mérite. Pour travailler au Cameroun, on est obligé de connaître un tel ou un tel ou un tel ou un tel. Sinon, tu es au quartier. On n'a plus besoin de ça. Mais si les choses changent, pourquoi est-ce qu'on restera encore ici? Pour faire quoi?
Quand je vois les Camerounais, je dis partagez les postes partout sur la toile. Que l'Italie défend les droits de l'Afrique. Mais vous êtes con. Mais vous êtes stupide. Je suis désolée, vous êtes con. Parce que vous pensez que l'Italie vous aime plus que la France. Vous pensez que l'Italie vous aime plus que la Chine ou plus que les États-Unis. Chaque pays défend ses intérêts. Ne pensez jamais, je dis bien au grand jamais, que ces gens-là vont vous aimer plus que vous-même. Ne pensez jamais ça. Aucun Italien va laisser son frère italien pour venir aimer un Camerounais ou je ne sais trop quel pays d'Afrique. Arrêtez ça. Arrêtez de rêver. C'est-à-dire que vous pensez que la France est trop méchante et puis vous préférez l'Afrique, les Africains, mais vous ne savez pas, vous préférez l'Italie. Mais vous rêvez ou quoi? C'est-à-dire que vous laissez quelqu'un qui vous manipule et qui vous assainit pour aller prendre quelqu'un qui va faire plus que ça. Arrêtez. Arrêtez ça. Il n'y a personne qui peut mieux défendre vos intérêts que vous-même. Ça, c'est même être stupide. Je suis désolée, c'est être stupide. C'est-à-dire que la France et l'Italie sont en pleine mascarade là sur les Africains. Et après, ils vont s'asseoir et quand même, soyez un peu, soyez sérieux deux secondes. C'est-à-dire que posons-nous un peu deux secondes, on réfléchit. Comment vous pouvez vous imaginer que deux étrangers s'asseyent et discutent de votre futur quand vous-même, vous n'êtes même pas à la table de discussion? C'est-à-dire que deux personnes s'assoient pour parler de ton avenir, pour décider ton avenir et toi, tu n'es même pas à la table de discussion pour dire oui, je préfère ci ou je préfère ça. Non, c'est-à-dire que tu n'es même pas à la table pour discuter de ton avenir pendant que deux personnes parlent de ton avenir, deux personnes étrangères que tu ne connais pas. Arrêtez un peu. Au point où les gens disent que oui, l'Italien décide que la France a fait que la colonie a fait que le France n'est pas avec eux. Mais vous blaguez. Vous êtes de gros blagueurs. C'est pour ça que moi, j'ai dit que s'il faut sortir du France CFA, tant mieux. Je dis bien. Tant mieux, mais réfléchissez, prenez une monnaie africaine ou créez une monnaie, mais réfléchissez que vous n'allez pas perdre quand le taux d'échange va monter, descendre et tout ça. Les Sud-Africains ont leur monnaie, tous ces pays d'Afrique, là, il y a les pays africains qui ont leur monnaie et qui se débrouillent. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire une chose, l'Afrique du Sud fait partie des pays qui attirent le plus d'investisseurs en Afrique, c'est-à-dire qu'en Afrique, Noir, c'est le premier pays. Et maintenant, dans l'Afrique entière, c'est le troisième pays. Laissez-moi vous dire ça. J'ai économisé dans ma classe. Ça fait même partie de mes sujets de partiel. Le Cameroun arrive sur 180 pays, le 153e pays corrompu au Cameroun. Vous allez me dire que oui, sur 180, vous n'êtes quand même pas le dernier. Voilà ce qu'un Camerounais va dire. Au lieu d'essayer de tout faire pour se retrouver au moins dans le top 50, il va dire oui, sur 180, si on n'est que 153, ça veut dire qu'il y a pire que nous. C'est-à-dire qu'on se console et on se satisfait de la médiocrité et de l'échec. Voilà à quoi on est, voilà à quoi on est habité. 180 pays, j'ai la fiche des partiels, j'ai la fiche des partiels. Sur 180 pays, on est le 153e pays le plus corrompu au monde. La zone est rouge, rouge. Mais au lieu de réfléchir dans le sens de je vais rehausser ma cote pour se retrouver au minimum quoi, du top 50, quelqu'un va te dire que oui, mais on n'est quand même pas le dernier pays. On n'est quand même pas le 154e pays. Genre les derniers pays sont mieux quoi. Genre les derniers pays sont mieux. Non mais il faut arrêter. Arrêtez de laisser que les gens décident de votre sort alors que vous-même, vous êtes capable. Vous dites que vous avez un cerveau. Vous dites que vous avez deux bras, deux pieds. À quoi ça vous sert? À quoi ça vous sert? Si vous dites que vous partez à l'école, à quoi ça vous sert? Si vous n'êtes pas capable de défendre vos intérêts vous-même, à quoi ça vous sert? À quoi ça vous sert? Si vous êtes là, assis à croiser les bras, tandis que l'Italie, la France, bientôt vous allez entendre la Norvège ou la Finlande, je ne sais trop qui, sortir. Comme les Camerounais aiment le feu de paille, vous aimez les slogans, vous aimez les publicités, vous aimez ça. Oh, on a défendu, l'Italie défend le français, pas du coup là. T'as tous les abrutis Camerounais panafricanistes qui vont partager cette imbécilité alors que c'est deux pays, je vous dis bien deux pays qui sont dans la zone euro et qui utilisent une monnaie qui n'est même pas la leur. La France utilise l'euro, l'Italie utilise l'euro, aucun de ces pays-là n'a sa monnaie. Eux, ils ont fondé une économie solide. Je dis bien solide. Ils ne sont pas sur le point de quitter cette économie. Mais ils sont en train de venir vouloir vous déstabiliser. En voulant faire croire, on appelle ça la politique du méchant flic et du bon flic. C'est-à-dire qu'on va vous faire croire que la France est méchante alors que l'Italie est gentille. L'Italie vient pour défendre vos pays, vos intérêts. C'est faux.
C'est faux. France, Italie, c'est les sœurs jumelles. Vous avez compris ça, hein? France, Italie, Allemagne, tous ces pays-là, c'est des frères jumeaux. C'est des gens qui sont dans un système qui bataillent pour leurs intérêts à eux et avant tout. Aucun pays en dehors de vous-même, je dis même aucun pays ne va venir mieux défendre vos intérêts que vous-même. Et si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, je ne sais pas comment il faut vous expliquer ça. Je ne sais pas en quelle langue il faut vous expliquer ça. Aucun pays ne peut défendre mieux vos intérêts que vous-même. Si vous dites que vous êtes parti à l'école et que vous avez un cerveau, dans ce cas, utilisez ça. Arrêtez de donner vos richesses, de brader vos richesses, alors que vous-même, vous pouvez vous débrouiller, ramener les gens de la diaspora qui ont fait des études, qui ramènent des machines, qui ramènent l'intelligence, qui ramènent l'ingénierie nécessaire et qui vous permettent de transformer vos richesses et de vous permettre de parler fort au milieu de tout ce beau monde-là. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud peut parler fort à tous ces pays-là. La France est le troisième exportateur en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a l'or, tous les minéraux que vous pouvez vous imaginer. L'Afrique du Sud parle fort sur ses richesses. D'où vient-il que le Congo n'y arrive pas? D'où vient-il que le Cameroun n'y arrive pas? D'où vient-il que la Côte d'Ivoire n'y arrive pas? Parce que vous n'êtes pas capable d'importer l'ingénierie nécessaire pour défendre, bref, pour transformer vous-même vos machines et ensuite de parler fort. C'est ça. Du coup, vous avez une France et une Italie qui va s'asseoir sur une table et puis décider sur votre monnaie, décider sur qui va vous diriger, décider si une élection est bien menée à terme ou pas, décider. Et dans ce temps, et pendant ce temps, vous n'êtes même pas du quartier. Vous n'êtes même pas assis à la table quand on discute de ça. C'est-à-dire qu'on discute et puis on vous informe et on applique et vous fermez vos gueules. Et ensuite, on prend en compte ce qui est à vous. Et vous pensez que vous êtes... Et vous voulez dire quoi? Vous dites que vous êtes libre. Non, vous n'êtes pas libre, je suis désolée. Vous n'êtes pas libre du tout. Si vous pensez une seule seconde que vous êtes libre, pays démocratique, vous rêvez en couleur. Commencez déjà à chasser les crapules qui vous gouvernent. L'histoire révèle que quand le peuple a dit stop, tous ces pays-là vont seulement s'aligner. Donc si vous décidez stop, si vous mettez Paul Biya et son gouvernement hors d'état de nuire et que vous décidez, bon, maintenant c'est nous qui décidons, c'est nous qui prenons les rênes et c'est nous qui disons comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Celui qui va vouloir exploiter si ou ça va devoir ramener quelque chose. C'est comme ça. Kadhafi qui parlait fort à Kadhafi, qui parle fort au président du Ghana, qui parle fort au président de l'Afrique du Sud. Il y a plein de pays là. Qui parle fort à Kagame, qui... Il y a quand même quelques pays en Afrique qui font la différence. C'est-à-dire que des présidents, que quand les autres présidents étrangers là viennent les voir, ils sont obligés de la fermer. Vous avez vu Macron à un sommet à côté du président du Ghana. Il ne parlait pas fort, il n'avait pas d'assurance. Vous revoyez le... Parce que les tosses, on traduit les tosses politiques. Vous voyez le même Macron à Ouagadougou devant le président, le dernier président, où il a quand même il a fait la blague sur l'électricité. Pourquoi il n'a pas fait la même blague avec le président du Ghana? Les tosses politiques, il faut faire attention. Les tosses. Donc, si tu veux parler fort, à un moment donné, même pour donner les côtes à ton président, c'est toi le peuple qui décide. C'est le peuple qui décide. Qu'on ne vous manque pas. Donc, nous, notre rôle, le 26, c'est de mettre Paul Biya et sa clique hors d'état de nuire. Maintenant, toutes ces autres puissances-là, que ce soit la Chine, parce que j'apprends que Paul Biya a déjà vendu une partie du Cameroun à la Chine, que ce soit la Chine, les États-Unis ou un quelconque autre pays qui va vouloir, négocier quoi que ce soit avec nous, devra négocier en fonction de ce que nous on veut, en fonction de nos décisions à nous. C'est comme ça qu'on sait, nous qui devons mener la danse. Ce n'est pas les autres qui doivent mener la danse à l'extérieur et qui viennent nous imposer ce qu'ils ont décidé. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Pourquoi vous aimez trop faire dans l'inédit de la médiocrité? Vous avez vu ça où? Dans tous les cas, je dis que c'est la base. Vous savez, quand quelqu'un est inspiré, ça se sent. C'est pour ça que je n'ai pas du tout voulu couper la sœur, parce que j'ai senti que elle avait le juice et qu'il fallait que ça sorte. C'était là, comme disent les Ivoiriens, tu as chié. Tu as chié. Donc, chers amis, je pense que la sœur là a traduit un peu tout ce qu'on peut dire de cette affaire-là.
Et moi, j'ai été étonné de pas voir le frère Berthold venir nous répondre, parce que comme je dis, hein, l'antenne est ouverte et il peut venir nous expliquer quel est son sens de la réflexion et pourquoi il fait ce qu'il fait. Donc si, déjà, continue à partager la vidéo et demander à Boris Berthold qu'il vienne nous répondre ici quel est son problème avec Paul-Éric Kingué. Et je vais même compléter ce qu'a dit la sœur. Paul-Éric Kingué a fait, on a vu. Mais ce direct live n'est même pas pour magnifier la personne de Paul-Éric Kingué, parce que Paul-Éric Kingué n'a pas besoin de Dre Boni pour que les Camerounais sachent ce qu'il a fait pour le Cameroun. Paul-Éric Kingué n'a pas besoin de Dre Boni ni de la basse pour que les Camerounais puissent être au courant de son œuvre et de qui il est. Il n'a pas besoin de nous pour que les Camerounais savent à quel point ce gars-là est honnête. Donc le but n'est pas de dire que Paul-Éric Kingué est Jésus-Christ. Non. Le but est de dire que quand quelqu'un a un passif qui parle pour lui, quand quelqu'un a décidé d'être intègre et que son intégrité lui a valu des années et des années et des années de prison, et que cette prison-là ne l'a pas brisé, et qu'il est un renfort, un atout de poids pour le professeur Camteau, nous devons faire très attention. Et nous ne devons surtout pas monter des articles qui tendent à discréditer son image ou qui tentent à créer des dissensions au sein même du camp de la révolution. Maintenant, ceci étant, je vous ai dit que quand il y a quelque chose à dire sur quelqu'un concernant ses actes, il faut le dire. Si demain Paul-Éric Kingué produit ou pose un acte qui va à l'inverse des intérêts de la révolution et à l'inverse des intérêts du pays, mais on va l'allumer. Parce qu'on n'est pas ici pour suivre quelqu'un ou d'être, on n'est pas à l'église, c'est pas un prophète, c'est pas. Mais on va l'allumer. Comme j'avais dit aussi que si le professeur Camteau prend le pouvoir et qu'il ne fait pas ce qu'il a dit, mais on va l'allumer. Donc le but n'est pas de faire l'apologie d'une personne. Le but de cette vidéo est de dire, nous sommes un camp, nous devons être unis, il faut éviter de diviser, d'autant plus que là on parle de quelqu'un qui a montré son attachement au Cameroun et qui a un vécu que la plupart d'entre nous n'avons pas. C'est ça. C'est ça. Et comme je le dis, moi, le tempérament de Paul-Éric Kingué, moi je l'adopte. Vous savez, moi je suis quelqu'un, on dit toujours, oh, Dre Boni, tu es très calme. Mais moi, quand Paul-Éric Kingué a dit que si c'était lui là, les billets allaient les mettre, les foutre en tôle, j'ai dit la même chose dans mon live. J'ai dit que si c'est moi là, j'ai même dit plusieurs fois, vous qui me suivez, vous savez très bien, j'avais dit, Camto a dit que, oh, on ne va pas toucher à Bia, on va laisser, on va laisser. Moi j'ai dit que ce qui va se passer pour Bia, tout ça là, ça ne le regarde même pas. C'est nous, ça va regarder. C'est-à-dire que les Atanganji, les Chiroma, c'est le peuple, c'est nous qui allons nous occuper de ces gars-là. Parce que Kamto, lui, il devra s'occuper de développer le Cameroun. Mais ces gars-là, ce qu'ils ont fait, c'est nous-mêmes, on va s'en occuper. Parce que ces gars-là méritent tous la tôle. Tous autant qu'ils sont, ils méritent la tôle. Ils méritent la tôle. Voilà. Et c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, c'est quelqu'un qui aime l'ordre. Moi, je suis la même chose, hein. Quand on a commencé à parler de la basse, là, quand je me suis levé, j'ai fait ma vidéo, je me suis levé. J'ai dit, hey, c'est bon, c'est fini là. Hey, arrêtez, 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 arrêtez. Moi, j'aime pas le désordre. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui, quand il y a quelque chose, je dis. Quand il y a quelque chose qui déconne, je dis, là, ça déconne. Donc, ça veut dire que moi, j'aime les gens aussi qui ont ce qu'on appelle le franc-parler. C'est le franc-parler. Et ce n'est pas. Vous savez, tout n'est pas bon à dire dans le Congo, ça. Tout le. Comment on appelle ça? Tout n'est pas bon à dire dans le Congo, ça. Au jour d'aujourd'hui, Paul-Éric Kingué, Albert Diongang, plus les autres, Penda et Coca, tout le monde est important dans cette dynamique de changement. Mais personne n'est indispensable. Tout le monde est important, mais personne n'est indispensable. Donc, je me désole que le frère Boris Berthold n'ait pas voulu répondre à cette question qui est, quel est l'intérêt de pondre des articles pareils alors que chacun est important dans le cadre de la révolution et que Paul-Éric Kingué est un renfort de poids dans le cadre de la révolution que nous menons aujourd'hui? Quel est l'intérêt
par rapport à la résistance, par rapport à la révolution, de prendre des articles qui tendent à diviser. C'est la question que je pose. Et c'est à cette question-là que j'aimerais que Boris Berthold puisse me répondre. Ma question est simple. Il l'a déjà fait une fois. On lui a dit, petit frère, c'est pas comme ça, doucement. OK. Là, maintenant, il recommence. C'est pour ça que je dis, Boris Berthold, explique-nous quel est le but de cela. Je dis, on ne muselle pas la presse. Hein. On ne muselle pas la presse. Mais quel est le but? Quel est le but? C'est pas tout qu'on dit dans la vie. C'est pas tout qu'on dit dans la vie. Nous-mêmes qui sommes là, on a déjà eu dans notre famille ou bien des amis, des gens qui ont fait des choses, certaines choses, ou qui sont dans certaines difficultés. On n'est pas parti balancer ça au motif de la démocratie ou au motif du droit à l'information. Parce que ça, ce n'est pas quelque chose qui concerne même de manière directe le peuple camerounais. Ce n'est même pas quelque chose qui est susceptible de changer quoi que ce soit dans la dynamique de la révolution. Ce n'est pas quelque chose que le peuple a besoin de savoir, ça. Il y a des choses que le peuple n'a même pas besoin de savoir, ça. Il y a des choses que, oui, le peuple a besoin de savoir, mais il y a des choses que le peuple n'a pas besoin de savoir. Donc, si le peuple n'a pas besoin de savoir ça, pourquoi on en fait nos choux gras? On en fait nos choux gras. Et après, on dit on veut le changement. Donc moi, Dréboni, à chaque fois que je verrai des conneries, vous allez me trouver sur votre chemin. Vous allez me trouver sur votre chemin. Parce que les oui-dire, on a contacté, il a dit que. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Même le truc de Paul-Éric Inguet la dernière fois, il a dit, pourquoi, petit frère, tu ne m'as pas appelé? Tu l'appelles! Et tu verras que tu n'as pas besoin de monter des choses en épingle pour rien. Donc le jour où vous verrez Boris Berthold, si vous avez l'occasion de le voir, posez-lui la question que je vais poser. Ah. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Je ne vais pas être trop long parce que je pense que la sœur Stella a vraiment tout résumé. Tout résumé. Bah, est-ce que l'article là, regardez, je vais même vous dire quelque chose. L'article là, je vais même revenir dessus. L'article, il est là. Regardez, je vais vous montrer. Hein. Là, où il dit les consignes pour la marche de samedi. Regardez le nombre. Il y a 214 j'aime. Cet article-là. Il y a un article où il y a la photo d'Akerem Mouna. D'accord? Regardez le nombre de j'aime. L'article sur qui nous concerne aujourd'hui. Regardez le nombre de j'aime. 35 j'aime. Pour vous dire que c'est pas quelque chose. Ça fait partie des choses. Le moins intéresser le peuple. Ça fait partie des choses qui ont le moins intéressé le peuple. Là, je suis sur sa page. Donc, c'est pour vous dire que ça ne fait pas partie des choses qui sont susceptibles de changer quelque chose. La preuve, ça fait partie, en termes de like, c'est ce qui a moins intéressé le peuple. Donc, simplement, j'aimerais que, à partir d'aujourd'hui, dans le cadre de la résistance, chacun prenne ses responsabilités et surtout, chacun soit responsable. Dans le cadre de la résistance, que chacun soit responsable. Les j'aime, ça veut dire que, ça veut tout dire, ça veut dire quand même quelque chose. Parce que quand tu as beaucoup de j'aime, ça veut dire que les gens se sont intéressés, ont lu, ont regardé, sont intéressés ou ont apprécié ce que tu as posté. Voilà. Et quand tu vois que de tous les articles qu'il a mis, c'est celui-ci qui a le moins intéressé, on peut en faire ressortir certains enseignements. Après, comprennent ceux qui veulent comprendre. Voilà. Donc, même dans des j'aime, tu peux en faire ressortir certains enseignements. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce soit à l'intérieur de la base ou que ce soit ceux qui se disent sympathisants de notre mouvement de libération, j'aimerais que chacun fasse preuve de responsabilité et que nous soyons dans une dynamique de rassemblement, d'unité, de consolidation pour que ce pays ne soit pas délivré
en 2050, 2060, 2070, 2080 ou 2090, mais qui puisse être libéré là. Et pour ça, on a besoin d'être ensemble. Voilà. Je ne vous demande pas d'aimer Paul-Éric Kinguet pour l'homme. Voilà. Je ne vous demande pas même d'aimer Maurice Kamto ou d'aimer je ne sais pas qui, ou de même pas de m'aimer. Je vous demande il faut qu'on se respecte et surtout, il faut qu'on tire tous dans le même sens. Parce que s'il y en a qui tirent à gauche et d'autres qui tirent en sens contraire, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. On s'en fout des likes. L'oiseau, le problème, c'est pas les likes. J'ai démontré là que cet article avait été les gens avaient montré moins d'intérêt à cet article qu'à d'autres sur sa propre page. C'est ça que j'ai voulu dire. Maintenant, c'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est que ce genre d'article-là ne consolide pas la résistance, ne consolide pas la révolution et peut même engendrer des inimitiés entre les uns et les autres. Or, les uns et les autres sont importants. À défaut d'être indispensables, ils sont importants. Voilà. Voilà. Donc, apprenez à lire. Merci, Tiako. Apprenez à lire entre les lignes quand je parle. Voilà. Apprenez à lire entre les lignes quand je parle. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que j'ai tout dit. Bon, l'oiseau, je te bloque. Moi, j'aime pas les gens qui sont bêtes ou qui refusent de comprendre. Voilà. Donc, non, mais dénoncer, quand on dit il faut dénoncer, mais attendez, ça, c'est pas quelque chose à dénoncer, ça. Il y a quoi là-dedans? Il y a quoi? Dénonçons ce qu'il y a à dénoncer. Si maintenant Paul-Éric Kinguet avait posé un acte répréhensible par rapport à la révolution, j'ai dit que moi-même, le premier, je l'aurais allumé. C'est pour ça qu'on n'est pas là pour faire l'apologie de quelqu'un. On n'est pas là pour dire que lui, il est magnifique, lui, il est beau. Je dis que si un acte est posé qui va à l'encontre des intérêts premiers du pays et de la révolution, on doit l'allumer. Que ce soit Paul-Éric Kinguet, que ce soit Maurice Kamto, ou que ce soit Dre Boni, que ce soit Calibri, que ce soit Max. C'est ça. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, quand ce n'est pas le cas, ne créons pas de division, ne créons pas, ne faisons pas de choux gras, de choses qui sont sans importance et surtout qui sont capables de créer des inimitiés entre les uns et les autres. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime la division. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'union. Donc, le 26, tout le monde dehors. Le 26, je veux que le peuple camerounais nous débarrasse de manière définitive de ces incapables qui occupent les locaux des Toudis, hein, de manière éhontée, de manière illégale. Je veux que le 26, nous puissions parler de Paul Biya et de tous ses sbires au passé simple, au passé composé, ou si vous voulez, à l'imparfait. Si vous voulez, à l'imparfait. Voilà. Mamie Dylan qui me suit, chère sœur, il y a une sœur hier qui est intervenue dans mon direct. Elle n'est pas loin de Bilbao et elle va se mettre en contact avec toi pour que vous puissiez créer les premiers jalons, poser les premiers jalons de ce qui sera la basse Espagne. Donc si elle t'appelle, c'est moi qui l'ai envoyée vers toi. Ok? Que Dieu vous bénisse tous. C'est votre serviteur Dreboni. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Watana wata. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre chère patrie, notre cher pays qu'est le Cameroun. Merci.